Bon, la Suisse est centrale, donc il y avait une logique de géographie, mais ce n'est pas la raison la plus importante. La raison la plus importante, c'est qu'il y avait des ressources humaines importantes dans la région, ce qui nous permettait de remplir des postes importants et de créer un siège qui pourrait être ici pour une longue période de temps. Finalement, il y avait bien entendu à l'époque des raisons fiscales qui étaient apparentes. Il y a des choses qui nous inquiètent, bien entendu. Et la chose qui nous inquiète le plus, c'est la votation de février 2014. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un siège global. Ce qui veut donc dire qu'on doit avoir des managers qui viennent d'un peu partout à travers le monde, qui travaillent ici pour une période de temps et qui repartent. Et ça devient plus difficile pour nous d'attirer de la main-d'œuvre de d'autres pays. Ça devient très difficile pour une société comme la nôtre de croître. Heureusement que la Suisse offre une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus importante que bien des pays autour de nous. Et que les politiciens sont à l'écoute, ils sont très attentifs, et ils sont prêts à nous recevoir et prêts à nous écouter. Et donc, je leur fais confiance. Ben, vous savez, lorsque nous sommes arrivés à Saint-Pré, en début 2006, on avait prévu être entre 350 et 375 employés sur le site. 350. 375 employés à l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes 640 employés sur le site. Ce qui explique pourquoi il y a tant de monde au restaurant à l'heure du déjeuner. Ah. Trop de monde. Oui, on a eu une croissance phénoménale au cours des 10 premières années de notre venue en Suisse. Et ça va continuer, je ne sais pas à quel rythme. Il ne faut pas oublier qu'on mettait en marche une usine, donc ça c'était important. On a créé le siège mondial ici. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir un siège où il y a trop de monde, parce que ça fait peur à nos collègues dans les pays. Donc, il faut que ça soit équilibré. Bien entendu, on aura un taux de croissance adapté aux besoins de notre société.